Alors, vous avez tous les deux, notamment, je crois, David, vous avez un très bon copain, plus qu'un copain. Vous avez vraiment un ami. Moi, j'en ai quelques-uns. Initial NB. Ah, Nicolas. Il a accepté de parler, vraiment. Nicolas, c'est vrai. C'est vraiment un gars sympa. Hein. Ouais, parce c'est pas très bon signe. Jusqu'ici, ça se passait très bien, l'émission. La promo, là, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Quoi. Voilà, bon, Nicolas ben, vous le connaissez depuis toujours. Vous êtes hyper complices tous les deux. Et on est allé évidemment voir Karine Viard et tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous deux. C'est des gens merveilleux que vous avez sur votre plateau. Vraiment, hein. Je suis sérieux. Catherine Sellac, c'est du lourd, là. C'est vraiment des gens très chouettes. David, c'est quelqu'un qui a mis de l'exigence, de l'intelligence, de l'ironie dans le populaire, ou on pourrait dire qui a mis du populaire dans la belle littérature. Il y a une grande féminité dans son écriture. Une très grande délicatesse dans son approche des petites choses, du couple. Ce sont des hommes virils qui n'ont pas peur de leur féminité. Et c'est ce qui leur permet d'être si subtils pour écrire un personnage de femme tellement réel. David, je l'ai vu écrire dans des tempêtes affectives. Il écrit. Quand il va mal, il écrit. Quand il va bien, il écrit. C'est un garçon qui se sert véritablement de l'écriture comme un échappatoire. Stéphane est plutôt celui qui s'occupe des acteurs et David plutôt de l'image. Ils sont très complémentaires, ils sont très différents et en même temps, ils s'entendent très bien. Ils s'aiment. Ils se veulent du bien en permanence. À la fois, ils savent absolument ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils t'aiment et ils te laissent très libre. Ils ont une capacité d'écoute très, très rare. Si tu n'obtiens pas quelque chose avec l'un, tu peux éventuellement aller voir l'autre et l'obtenir de l'autre. Voilà. Ce que papa ne me donne pas, je vais le demander à maman. Ils ont l'un et l'autre tendance à utiliser l'ironie et l'humour comme un paravent à leurs cicatrices, à leur chagrin. Il y a quelque chose d'assez douloureux, d'hypersensible chez Stéphane, qui en même temps est excessivement drôle. Il devrait tenter l'Olympia, parce qu'il lui est arrivé de nous mettre par terre, de rire. Est-ce que vous les avez vus s'énerver? Oui, bien sûr. David plus que Stéphane. La colère chez David, elle est puissante, mais elle est comme un volcan verrouillé. C'est-à-dire que tout se passe dedans. Mais oui, encore une fois, c'est des gens normaux. Ça n'est pas, ils sont pas, c'est pas des comédiens. Dans la vie, je veux dire, ils sont pas parfaits. Ils ont, heureusement, des susceptibilités, des inimitiés, des agacements, des désespoirs aussi. Allez, ça suffit. Embrassez-les pour moi.